dîner. Il donne des meilleurs témoignages. Et il rappelle à cette dame que ça, c'est le meilleur plat que j'ai mangé dans ma vie. Je veux prendre une femme. OK. Cut her the legs, please. Who are the coaches? Va. Good Good afternoon. morning. I'm sorry. Je veux que I want to express in the language where I'm much fluent. I could speak in French. My best meal, which I prepare everybody love, is okra soup. And this is how I prepare it. I first of all get some dry fish, cook it together with the goosey. You allowed it to cook Non. together for 30 minutes. Coach, hold on. Don't tell us the process. Let me help Okay. you teach us Yes. through the. Le coach va nous enseigner. Elle a dit son, le maître prépare, ça donne bien. C'est la sauce gombo. Je veux prendre cela pour enseigner l'entrepreneuriat. Et ajouter juste quelque chose sur ce que Coach Bertrand a déjà dit. Coach Aïda, depuis Yes. combien de temps, à quel moment tu es arrivé au point où, quand tu prépares la sauce, on dit la sauce gombo, ou la sauce gombo, OK, ça donne parfaitement bien. À quel moment tu es arrivé à ce niveau? I can say this year. Cette année. Yes, and in my house, everybody wants me to cook okra at least 3 times a week, 3 times, because they eat and they Okay. eat and they eat and they continue. Okay, let me ask you this. Before your Yes. okra soup was the best, avant que ta sauce gombo était la Hello. meilleure, explique-nous les moments où tu as fait les sauces gombo, ça n'a pas donné. Parle-nous seulement des moments où ta sauce gombo n'était pas bonne. Et jusqu'à toi-même, tu savais que ce n'était pas Ok, bon. Explique-nous plusieurs fois que tu as fait et ce n'est pas bien sorti. I will talk particularly last year, February. Okay, I went to the market and did some shopping. I bought some palm oil, then came back not realizing that the palm oil wasn't good. So I actually make the goosey soup with the palm oil. When I now prepare the gumbo to want to mix it together, the palm oil was floating on top while the okra was different. It was just not good. Even me, I didn't even just want to look at it. It was so bad that I was even ashamed to want to serve it to anybody who want to eat it. And then from that last year, I said to myself, I will prefer to buy palm oil in South Africa than to buy palm oil in Lesotho with the seller. I Ok, think. great. Coach Saïda vient d'expliquer que l'année dernière, elle a fait sa sauce gombo. Elle a acheté l'huile dans un marché et elle a fait la sauce gombo avec. Ça n'a pas donné. Parce que le gombo, la sauce était en bas, le gombo était en haut, ou le gombo était en haut, la sauce était en bas. Quelque chose comme ça. Elle est en train d'expliquer comment elle a échoué dans la préparation de la sauce gombo. I want you to tell us again. Another time when you cook your okra soup and it was the worst. Give us three more scenarios where your good Okay, okra soup that you know how to do now, you cook then you and I it will just was talk bad. about, yes, and let me talk about this month of May. The month of May, we were actually stopping a 40-day fast. Then, knowing that everybody here, they don't know anything about okra soup, but they love it when I cook it.
So I decided to buy a good quantity of okra after slicing and everything. Now to do the mixture, I totally mixed up everything. It was so bad that even me, I could not eat it. Why? One, the oil, first of all, was not good. The crayfish that we went to buy to put inside, they were all rotten crayfish that they have dried and then sold it to us. You put it, it's so smelly that you cannot even eat it. This is the month of May this year. May. So really, I think, I don't know what to say again, but from that time, I decided to come up with a solution that I buy all my things. If I have to make the okra soup in South Africa, then we'll be able to enjoy the okra soup. Really. You guys give a heart to Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez donner le cœur à Côte d'Ivoire pour la leçon de l'entrepreneuriat à partir de la sauce combo? À partir de la sauce combo. Maintenant, je veux expliquer. Parce que moi, j'aime enseigner avec ce qu'on connaît déjà pour que ça ait un sens. Coach Bertrand a parlé de tester son produit. Dans ton entreprise, le résultat que tu auras, si tu ne passes pas ou tu n'es pas en train de passer par le processus qu'on passe par là pour avoir un résultat, ta sauce gombo, l'huile sera souvent en haut et le gombo sera en bas. Parce que toi-même, tu ne connais pas la meilleure huile qu'il faut mettre ensemble. C'est parce que c'est sur le marché que tu es en train d'expérimenter l'essai. Chaque jour, Coach Gladys a parlé des entreprises qui ferment. Parfois, les gens pensent que beaucoup de gens prêtent de l'argent ou bien prennent leur fonds pour aller ouvrir une boutique ou commencer une affaire et directement, ils perdent leur argent parce qu'ils sont méchants. D'ailleurs, en Afrique aujourd'hui, beaucoup de familles se séparent parce que maman a donné, quelqu'un a pris le fonds de commerce, il est allé ouvrir la quincaillerie parce qu'il a vu que tout le monde ouvre les quincailleries et il a échoué. Il a compris que tout le monde importe les motos. Il a importé les motos, il a échoué. Il a compris que tout le monde fait les laits de toilette. Lui, il est entré seulement dedans comme ça, sans étudier le marché, sans tester et comprendre. Et directement, il a commencé à avoir le résultat que Coach Aïda nous a expliqué. Là où, quand tu vas avoir la sauce gombo, le gombo et l'huile se séparent. Donc, ça se sépare parce que tu n'as pas compris. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est 80% de mindset. Ce qu'on appelle souvent le know-how. La capacité de systématiser et bien se positionner pour réellement positionner, entrer dans le marché. Et parfois, juste 20% de l'application de la connaissance de ce qu'on veut exercer sur le marché. Dimanche dernier, j'ai donné les 4 points pour avoir le résultat. Quand tu pars du rêve, quand tu pars du rêve, à la réalité, quand tu parles du rêve, à la création de l'entreprise, tu parles de la création de l'entreprise à l'implémentation. Tu parles de l'implémentation et tu as un résultat. Et du résultat à l'accélération de ce que tu veux dominer le marché avec. Si on prend l'analogie de Coach Aïda, tu verras que il y a deux genres d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui fonctionnent un peu comme je ne sais pas si je peux appeler ça le Alamimbu en Afrique. Donc le genre de féticheurs qui ont des plaques, qui traitent les mots de tête, qui traitent les mots de ventre, qui traitent, ils ont au moins 500 maladies qu'ils traitent. Mais ce qui est curieux, c'est que quand tu dis j'ai mal à la tête, ils te donnent le même produit. Quand tu dis j'ai mal au pied, il te donne le même produit. Quand tu dis que tu as fait les mauvais rêves, il te donne le même produit. Aujourd'hui, si tu n'es pas systématique,
si tu ne peux pas approcher le marché en testant réellement, en faisant une recherche, en faisant une analyse, en réévaluant, d'ailleurs, en travaillant avec un expert, en travaillant avec un expert, un cabinet qui peut t'aider, en trouvant quelqu'un qui peut t'aider à arriver au résultat facilement, peut-être tu passeras tout le reste de ta vie à perdre tes ressources. Et après, tu n'auras plus de ressources pour continuer à amortir les erreurs. Beaucoup d'entreprises ne ferment pas parce que le marché, il n'y a pas de marché. Mais imagine, tu commences une boulangerie et tu commandes et tu as ton capital, c'est 2 millions de francs CFA. Tu achètes le ciment, tu achètes de la farine, 2 millions. Tu achètes l'huile de 500 000. Et le mélange du pain, celui que le pâtissier fait l'erreur, il met un peu plus de sel que le sucre. Maintenant, tu as le pain salé sucré, alors que tu voulais le pain sucré. Mais seulement ce choc, tu auras deux choix. Soit pousser le pain salé sucré sur le marché, qui doit pousser les clients à penser que ton produit est une mauvaise qualité, à avoir une mauvaise impression de ton produit. Ou alors, rentrer, mettre tout, donner tout ce pain-là au port ou mettre dans la poubelle et chercher un autre capital encore pour reprendre la même chose. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs prennent le risque de sauter dans le marché avec les yeux fermés, comme on dit, sans tester d'une façon efficace le produit, sans faire des recherches et comprendre exactement comment le marché doit se comporter. J'ai beaucoup aimé quand Coach Beltrand a insisté sur la façon de tester et réévaluer les tests. J'ai beaucoup aimé parce que tu peux te dire que moi, je vais aller tester un produit. Par exemple, tu veux tester les bonbons. Tu vois les enfants, tu les fais tester tes bonbons. Et c'est vraiment sucré pour les enfants. Mais ce sont les parents qui vont acheter ce bonbon-là pour donner aux enfants. C'est sucré, mais ça laisse la bouche de l'enfant rouge. Le parent qui a le pouvoir d'achat n'est pas d'accord qu'après un bon bonbon sucré, que la bouche de son enfant soit rouge. Toi, tu peux, comme coach Bertrand l'a dit, les gens, tu peux demander aux gens, mais teste ce bonbon, comment, qu'est-ce que tu penses? Les gens aiment vraiment. Mais les décideurs, parfois, n'apprécient pas cela. Donc, par contre, un expert, pour le faire tester, testera tous les niveaux, à tous les niveaux. Parfois, il y a des produits qui pourront être bons, mais le gouvernement combat. Un produit peut être bon pour la population, mais le gouvernement, à un niveau, le gouvernement ne permet pas que ce produit entre dans le pays. Ceux qui sont au Cameroun, qui ont vu comment les sociétés qui vendaient les plastiques, qui faisaient des millions, des milliards avec les plastiques au Cameroun, à un moment donné, on les a tous mis dehors. Mais combien de personnes, combien de milliardaires ont perdu tellement et combien de gens se sont lancés dans ce domaine sans consulter des experts, sans avoir l'aide des experts. Je dis les experts qui ont la possibilité d'aller les aider à vraiment pénétrer le marché, aller vers le marché pour leur montrer le danger parfois de poursuivre certains marchés. Et autre chose, il y a des pays, surtout en Afrique, avec des gens qui ont des monopoles sur le marché. Les produits où tu ne peux pas faire la concurrence, parce que d'autres ont la possibilité de saboter tes produits. Quand je dis saboter, si tu n'as pas la capacité très lourde
pour les résister, tu ne pourras pas entrer dans le marché. On a vu ça au Cameroun, pour ceux qui connaissent le Cameroun, avec Angelcam. Quand n'importe quel concurrent vient se placer sur le marché, lui-même, il baisse le prix de telle façon qu'il n'y a pas de bénéfice pour disjoncter le marché. Mais avec tout ce genre d'expérience, un bon entrepreneur averti, si tu ne consultes pas un expert, quelqu'un qui peut regarder l'histoire du marché, voir comment ceux qui évaluent, même ceux qui sont déjà sur le marché, et comment le marché s'est comporté avec le temps. Et maintenant, pour t'aider et te donner des capsules beaucoup plus professionnelles d'entrer dans le marché, tu pourras vraiment te casser la gueule et perdre beaucoup. Cette rencontre d'entrepreneurs, c'est là où on vient se poser des questions pour réfléchir d'une autre façon. Et non dire, oh non, on a toujours fait comme ça. Non, continue à faire de la même façon. Continue à faire comme on a l'habitude de faire. Non, l'entrepreneur doit mettre en question à un moment même ce que tu es en train de faire. Nous avons vu des entreprises qui ont disparu. Quelque chose qui marche, après ça ne marche plus. Parce que certains gens se disent, non, master coach, moi tout tourne bien. Pourquoi j'ai besoin d'études pour comprendre encore? Mais tu seras surpris. Qui a connu la société qui s'appelait Kodak? Si tu as plus de 15 ans, c'est que tu connais, tu as connu Kodak. Non, c'est pour ceux qui ont au moins 20-25 ans. Qui a connu Kodak? Beaucoup ne savent pas ce que c'est que Kodak. Kodak, quand la photo numérique est venue, on a présenté ça au DG de Kodak. Et Kodak était l'une des plus grandes entreprises sur la Terre. C'est là où tu achetais les pays, ils vendaient des films. Tu mets dans l'appareil, tu te filmes, tu peux en laver, on te donne les photos. C'était dans le monde entier. Il maîtrisait le marché mondial. C'était parmi les plus grandes entreprises. Quand on parlait des plus grandes firmes, des groupes Coca-Cola, les Kodak étaient à côté et tout cela. Mais juste le fait qu'ils n'ont pas vu le changement venir. Je veux dire, une très grande entreprise. Parce que toi, tu peux dire, mais attends, moi, je peux tomber parce que je suis petit. Une très grosse entreprise. Ils n'ont pas vu le changement venir et ils ne sont pas réadaptés rapidement. Et tout ceci se passe quand tu continues à faire l'étude du marché, à expérimenter, à tester ton produit. Parce qu'à un moment, ils ont vu comment les clients étaient en train de disparaître, mais ils n'ont pas réagi rapidement. C'est un peu comme quand on tombe malade, quand on va se faire checker à tout ça, c'est un peu comme si on est en train de tester, mais est-ce que tout marche encore? Pourquoi les choses ne marchent plus? Mais parfois, on ne doit pas attendre que ça ne marche pas pour aller tester, parce qu'il peut se faire tard. Normalement, une entreprise, quand tu as un produit sur le marché, tu dois continuer à tester. Beaucoup d'entreprises ont même le système de feedback pour maintenir cela. Si vous achetez un bon produit, même à Amazon, directement, ils vous demandent de faire un serveur. Parce qu'ils veulent tester. Ils veulent avoir le feedback pour continuer à savoir, OK, est-ce que vous êtes vraiment satisfait? On peut acheter et on n'est pas satisfait. Et on hésite à la porte. On attend quelqu'un qui peut proposer quelque chose de similaire pour juste partir. Parce que quand on encourage aux gens de continuer à se former, de continuer à apprendre, malgré qu'on est entrepreneur, qu'on est en train d'apprendre, de continuer à étudier et à faire tester ses produits, même quand c'est sur le marché, c'est encore sur le marché, de travailler avec des experts pour ne pas avoir des mauvais résultats, parfois. Parce que l'expert t'aide à éviter le mauvais résultat. Et quand Ada nous a aidé avec ça, elle est experte en sauce combo, mais parfois, avant, ça n'a pas donné. Et il y a des moments que ça n'a pas donné. Juste
en changeant une petite stratégie, on peut perdre le résultat. C'est pourquoi je l'ai beaucoup, j'ai utilisé la nourriture, parce que beaucoup de femmes comprennent ça. Tu peux acheter une mauvaise composante, ça met ton produit dehors. On a vu ça avec Johnson Johnson. Ils ont fabriqué un seul produit qui a empoisonné les gens, une grande marque. Dieu merci, ils sont venus ouvertement et ils ont annoncé ouvertement qu'on a eu un de nos produits où on a fait l'erreur. Ça a causé beaucoup de dégâts dans le monde. Vraiment, on regrette et on aimerait retirer cela sur le marché. Une autre grande boîte. Une autre grande firme. Qu'est-ce que je peux te donner comme takeaway? Si les choses sont en train de très bien marcher, ne t'endors pas. Continue à anticiper à l'avant. Parce que le marché est mutant. Les consommateurs changent. Celui qui aime ce que tu es en train de délivrer aujourd'hui, demain, il demandera plus. Si tu vas approcher le marché, ne prends pas tes ressources émotionnelles, financières, pour aller tester. Donne un peu d'argent à un expert pour qu'il t'aide. J'ai toujours illustré avec ceci. Quel qu'en soit le genre de gâteau qu'un pâtissier peut le faire, si le pâtissier te donne la recette et la bonne recette et le temps de cuisson, tu auras le même résultat. J'ai partagé mon histoire avec beaucoup de gens. Et certains gens sont tellement émerveillés de moi. Je dis, mais master coach, mais attends, attends. Et certains le sont parce qu'ils ne connaissent pas vraiment mon histoire. D'ailleurs, je suis en train d'aller au Cameroun pour retourner et refilmer mon passage. J'expliquais ça à certains collaborateurs hier. Je les expliquais que notre maison, là où mon papa a passé le temps avant de venir aux États-Unis, c'était une chambre. On dormait là-bas, au village. C'était une seule chambre. Il y avait le feu au milieu de la chambre. Et il y avait les lits autour. Parce que je me souviens, quand tu entrais à droite, il y avait le lit de mon papa. Et en face, il y avait un autre lit. Derrière, de l'autre côté, il y avait un autre lit. Et il y avait le feu au milieu. Quand tu entrais à gauche, c'est là où les chèvres et les poules dormaient. Il y avait le grenier aussi. C'était une seule chambre. Et puis, j'étais en train de les expliquer comment c'était. Et c'est là où on dormait. Et puis, une personne m'a demandé, mais attends, les animaux n'avaient pas leur chambre? J'ai dit non. Quand tu entrais à gauche, il y avait deux bois. C'est là où les chèvres, on les attachait là-bas, les poules aussi dormaient là-bas. Maintenant, quand je pense à ça, je me dis, mais attends, les chèvres faisaient les selles, les poules, tout ça là. C'était comme ça, la fumée, il y avait. Et puis, elle a demandé, mais la cuisine, c'était où? Je lui ai dit, c'était la cuisine, parce qu'il y avait le feu au milieu et les marmites à côté du feu. Une autre personne m'a demandé, les toilettes alors? Je lui ai dit qu'on n'avait pas de toilettes. J'ai repensé à ça, je me suis dit, mais attends, on n'avait pas de toilettes? Oui, on n'avait pas de toilettes. Et mais quand il fallait faire les besoins, on faisait comment? Tu fais seulement dans la bouche. Je dis, je dois rentrer en Afrique pour amener quelques journalistes pour qu'on retrace cette histoire. Parce qu'il ne faut même pas que j'oublie. Il ne faut pas qu'on aille très loin et qu'on n'ait plus la capacité de toucher cela. Parce que cette maison existe encore. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de nous écouter là. Ton passé n'a rien à y voir. Ton passé ne peut pas prédire ton futur. Ton passé n'a rien à y voir à où tu es en train d'aller. Faites les recherches sur le passé de Dangote. Je partage le mien. Parce que c'est réel.
Je ne suis pas en train de parler de 100 ans. Je ne suis pas en train de parler de l'autre siècle avant Jésus-Christ. Je suis en train de parler de... C'est d'où mes parents sont partis, de là pour là où je suis maintenant. Tu as la possibilité de changer. Tu as la possibilité de te transformer. Mais si tu veux faire les choses comme tu avais l'habitude de faire, tu auras le même résultat. Croire à ton potentiel. Croire à ton rêve. On est en train de parler de tes rêves. Certains gens ont dit, mais attends, moi, si là, comment je peux acheter un terrain aux États-Unis? Comment, moi, si je suis l'enfant de qui? Parce que moi, avant, je pensais que si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un qui est trop fort, c'est que tu ne peux pas être quelque chose dans la vie. C'est des mythes. Tu peux, mais tu dois t'engager et croire au procès. Et prendre des engagements que tu n'avais jamais pris dans le passé. Parce que tu dois faire des nouvelles choses pour avoir des nouveaux résultats. Ne te dis pas que non, mon petite entreprise, si là, les petits produits que je vends là, ça signifie quoi? Jeff Bezos a commencé dans son garage. Elon Musk, ils ont commencé dans les garages. Michael Jackson avait commencé à chanter derrière dans l'église. Il n'était même pas compté parmi ceux qui chantaient. C'était ses frères. On l'avait juste mis comme ça. Chaque personne a un début. Et la première marche ne peut pas dire que tu ne dois pas arriver à la huitième, à la marche 1000. Si tu as 100 francs dans ta poche aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas 1 milliard. Mais si tu te focalises sur où tu vas et tu te concentres, tu accélères, tu acceptes de devenir la personne qui va porter cette entreprise, ce grand projet, tu l'arriveras. J'étais très content de voir, j'ai vu Coach Raf quelque part dans la salle. Et je me souviens quand il parlait de son projet du Canada. Aujourd'hui, il est beaucoup plus heureux au Canada. Je suis sûr que ça fait partie de ses rêves, ce qu'il rêvait un temps, parce qu'il était, il était obsédé de ça. Je ne suis pas en train de parler d'une affaire de 10 ans. On parle d'une affaire de l'année dernière. Son rêve est en train de se réaliser. Pour lui, je sais que peut-être ce n'est même plus un rêve, c'est une réalité. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur comme entrepreneur. Tes projets, tes rêves, les choses que tu vas accomplir. Ne regarde pas le processus. Tu te dis non, moi là, je ne peux pas faire. Tu peux le faire. Continue ta transformation. Et puis le reste, ce sera juste une histoire. Fais tester ton produit. Coach Aïda n'a pas arrêté de faire la sauce combo. Maintenant, elle est meilleure. Elle a le diplôme de meilleure sauce combo de la Terre. Mais elle a échoué tellement dans ses sauces combo. Mais elle n'avait jamais arrêté. Aujourd'hui, elle a le résultat. Selon l'histoire qu'elle nous a donnée. Et elle est fière de le dire publiquement que je fais des meilleurs sauces combo. Ne regarde pas le résultat que tu n'as pas obtenu. Que ta sauce se sépare de ton combo et l'huile. Et l'eau, de l'autre côté, tu abandonnes. Regarde ce qui n'a pas marché. Fais tester. Avance. Tu verras, le résultat changera. Merci encore beaucoup à tous. Et bon après-midi. Merci beaucoup, Master Coach. Merci beaucoup. Les bras se sont croisés naturellement. Le calme est devenu...
Tellement, tellement les gens se sont laissés emmener, endormis et pénétrés par ces paroles. Master Coach, au nom de toute la soixantaine de personnes connectées, merci pour cet après-midi. Et c'est toujours un plaisir, c'est toujours plaisir, c'est pas le réel mot, c'est toujours un honneur de d'apprendre de vous. Et vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Le raccourci, c'est d'identifier celui qui a réalisé ce que tu as réalisé et de façon intentionnelle prendre ça de la personne. Et de façon intentionnelle, nous nous connectons ici sur cette plateforme chaque dimanche avec l'intention et l'espoir de continuer d'apprendre de vous et d'avoir ce que nous méritons d'avoir en vous suivant. Merci beaucoup, Master Coach, pour le partage. Merci pour votre expérience. Merci. Merci pour tout et on va prendre quelques paroles, quelques questions aussi. Je sais qu'on est allé au-delà du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a des questions pour le Master Coach? On va en prendre deux rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Rapidement dans le chat room. On va prendre quelques réactions dans le chat room. Merci beaucoup, Master Coach, de Coach Christelle. Neva Givon, de Coach Odile, Coach Martine, merci infiniment, Master Coach, soyez béni. Roméo Fekou, merci, Master Coach. Arena, merci, Master Coach. Gladys Didema, merci, Master Coach. Et donc, oui, il y a les mains levées, Coach Paul. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. On ne vous écoute pas, Coach Paul. Bonsoir à tous les coachs et au coach Bonsoir. Bertrand. Bonjour, est-ce que Bonsoir. vous m'écoutez? C'est mieux? Très bien, enfin, tu sais, oui, allons-y. Bonsoir. Ah, c'est pas possible, on ne vous écoute pas. Il y a coach, je pense qu'elle a des soucis de connexion. Bonsoir à tous les coachs, bonsoir particulier au master coach Raphaël Dini, c'est toujours un plaisir de d'être édifié. Allô? Allô, c'est bon, allons-y. Oh là, c'est pas possible. Notre retour dans le chat room. Thank you so much, Master Coach. C'est Allô? Coach Marie-Claire. Oui, allons-y, Coach Pauline, allons-y. Là, vous m'écoutez. Désolée, la connexion n'est pas très bonne. Vous m'écoutez? Je pense que c'est bien mieux cette fois-ci. Ok, Oula, ça va? parfait. Je voulais juste dire rebonsoir à tous les coachs, rebonsoir particulièrement au master coach Raphaël Dini. C'était juste pour dire merci pour le partage et nous espérons vraiment qu'il pourra être là tous les dimanches pour nous édifier et si. Je l'espère moi aussi. En tout cas, le message est passé. Ok, de retour dans le chat room. Merci, Master Coach. Très encourageant, Coach Arena. Alléluia pour ce soir. La messe est dite carrément. C'est Coach Manga qui le dit. Merci, Master Coach. Il faut avouer que vous êtes le médecin des affaires. Ça, c'est Coach Harry Gibson. Coach Roméo Fekou, bonsoir, Coach Paul. Donc, merci bien, Master Coach. Merci bien pour votre disponibilité aussi. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident les dimanches matin de vous disponibiliser pour être là, mais nous sommes tellement reconnaissants de de cette disponibilité. Nous sommes tellement reconnaissants de de cette contribution à à l'évolution des affaires sur le continent. Ce n'était pas un vain mot quand on parlait de de capacité des entrepreneurs africains repartis à travers le monde et cette disponibilisation, cet état d'esprit nous encourage et nous apprenons de ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Master Coach. Bon dimanche à vous. Merci. OK, pour sortir donc de cette. Pour sortir de cette session, j'avais promis de donner la parole à à trois personnes. On va commencer avec le coach Honoré de Sengé. Est-ce qu'elle est là, coach Honoré? Le temps que coach Honoré revienne, est-ce que le coach Tito est avec nous ce soir?
Coach Tito, lui aussi, il n'est pas là. On va prendre le coach Aïcha. Coach Aïcha. Oui, bonsoir, 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 coach. Vous Bonsoir, m'entendez? coach. Très bien, on fait un coach Aïcha. Super. C'est la première fois que vous prenez la parole dans cette rencontre des entrepreneurs et Oui. la soixantaine des entrepreneurs connectés ici cet après-midi. Et moi aussi, nous voulons bien savoir qui est Coach Aïcha. Parle-nous de vous. Oui, bonsoir à tous les coachs et merci pour la présentation du coach Bertrand tout à l'heure. C'était édifiant. Merci, Master Coach, pour le complément d'information. Merci à tous les coachs qui ont intervenu. Moi, je suis le coach Aïcha Kamen. Je vis actuellement en France. Je suis élève assistante coach à l'école des coachs et puis aussi à l'école des affaires. Et sinon, dans la vie, moi aussi, j'accompagne des entrepreneurs de la diaspora ici en France qui veulent entreprendre en Afrique. Mais la particularité que j'apporte, c'est d'y introduire tout ce qui est aspect spiritualité dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode EFA, être et faire pour avoir. Parce que, comme a dit tout à l'heure le master coach, un entrepreneur, c'est 80% de master coach. Et qu'est-ce que j'entends par la spiritualité? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît qui il est déjà et d'où il vient. Et donc avec toute mon équipe, j'ai une équipe avec qui je travaille. Donc on travaille l'être. Qu'est-ce qu'on travaille dans l'être? On travaille la confiance en soi. On travaille tout ce qui est sur le subconscient. Comment aller chercher vraiment à partir de qui on est pour le mettre en pratique dans l'entrepreneuriat. On travaille le faire. Et là, c'est mon équipe qui travaille le faire. Et puis, c'est pour ça que j'adhère à cette école-là parce que le master coach a une très grande vision et je voudrais participer justement à cette grande vision qui est de transformer 2 milliards de personnes. Donc, j'ai trouvé que cette vision allait très bien avec... avec ma vision de l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je suis là et j'essaie d'être là tous les dimanches et merci encore. Merci beaucoup, coach Aïcha, qui a même coach Aïcha disait tout à l'heure qu'elle est assistante au coach à l'école des coachs de Ali Global, à l'école des affaires Ali Global également, c'est vrai. Elle fait partie des gens qui nous enseignent à l'école des coachs Ali Global, une magnifique école. Je vous conseille de vous y inscrire si vous n'avez pas encore, si vous l'avez pas encore fait et si vous n'êtes pas encore dans cette école. C'est une école extraordinaire. Merci beaucoup, coach Aïcha, qui a même laissé votre numéro. S'il y a des entrepreneurs qui ambitionnent naturellement être accompagnés, ils savent désormais qui contacter pour le faire. Il y a coach Honorine Essengue. Coach Honorine, bonsoir, bienvenue sur cette plateforme où les entrepreneurs se réunissent pour parler chaque vendredi, chaque dimanche dans l'après-midi. Personnellement, on a une petite histoire parce que j'ai rencontré le coach Honorine Essengue à Yaoundé dans le cadre du FIDIC et on a beaucoup discuté et après elle s'est retrouvée ici. Coach Honorine, bonsoir et bienvenue. Parle-nous de toi, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir, coach. Merci de m'avoir permis de m'exprimer toujours. Je suis Honorine Essengue, épouse Ngale. Je suis promotrice de plusieurs petites marques. Comme il n'y a pas le courant chez nous, donc j'ai commencé par faire les chips de banane plantain. Il n'y a pas le courant, voilà. Vous voyez? Oh Allô? non, on n'arrive pas à voir. Non, pas Ah, vous ne encore. voyez pas? Il Ok. faut se Je fais. Il lever. n'y a pas le courant à Yaoundé. Donc, on a fait des chips de banane plantain et les difficultés rencontrées dans les chips, dans la production des chips de banane plantain a fait en sorte que on pense à produire quelque chose qui va absorber les pertes produites par les chips de banane plantain. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les sésames. Et de fil en aiguille, on a vu qu'il y a parmi nos différents produits ceux qui nous absorbent de l'argent
Et on a essayé de corriger, de corriger, de corriger. Et c'est comme ça que, comme vous l'avez si bien dit, j'ai rencontré iLead Global. Et pendant que je suis, comme je suis, on dit ça comment? Je suis coach à l'école des affaires. Et là, j'ai appris quand même des choses. En fait, nous connaissons ces choses-là, sauf qu'on ne voit pas que c'est important, c'est utile. Et c'est là donc que iLead Global entre en jeu en me faisant comprendre l'important de pratiquer les petites choses de rien du tout que nous connaissons mais que nous négligeons. Et c'est comme ça que je me suis donc, nous, moi et mon équipe, nous nous sommes donc retrouvés à refaire tout notre process, tous nos process, tout notre. À revoir même comment manager les gens, les différentes équipes et pas mal de petites choses, même les procédures en entreprise, on a revu. On a même compris comment faire maintenant pour calculer véritablement, par exemple, le coût de production de de nos produits. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, on perdait dans la production des chips. Par contre, les autres produits, ça donne quand même, mais c'est dans les chips notre gouffre d'argent. Et c'est comme ça qu'on a donc pensé comment mettre en place des activités annexes pour que les chips ne soient plus une perte d'argent, mais plutôt quelque chose qui va rééquilibrer tout l'ensemble. Et voilà donc, et mes attentes, moi, c'est. Donc, je disais tout à l'heure, on a ces chips de banane plantain, on a les sésames, les caramels de sésame, les caramels d'arachide, on a un puissant alicament qui prend en compte, en charge le mal de mer, la fatigue, le stress, les insomnies. Et les escargots séchés. Donc, ce que j'attends, en plus de tout ce que Ali Global a montré, je souhaite vraiment que le partenariat soit un peu plus poussé parce que je suis à la recherche de partenaires pour la distribution de nos différentes marques. Donc, je suis ouvert à toute proposition, que ce soit ici ou d'ailleurs. Et voilà, vous savez un peu tout de moi. Merci pour Super. la prise de parole. Merci beaucoup, Coach Honorine. Laissez votre numéro dans le chat room, naturellement. Et il y a plein d'entrepreneurs qui voudront vous contacter pour continuer d'étendre votre business, prendre vos caramels de sésame en Côte d'Ivoire, en RDC, à Kinshasa, dans toutes les capitales africaines, dans toutes les capitales du monde, naturellement. Nous sommes très honorés de vous avoir. Je suis très fier. Et Coach Honorine Essengue, élève à l'école des affaires de Ali Global, justement. Merci bien pour ce partage. On va sortir ce soir avec le coach Tito de la République démocratique du Congo. Bonsoir, très cher coach. Alors, parlez-nous de vous. C'est la dernière personne à intervenir dans cette rubrique. Parlez-nous de vous de ce soir. Allons-y très rapidement, coach Tito de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes là? Démutez-vous et ouvrez aussi votre caméra pour qu'on puisse coller un visage sur votre nom. Allons-y très rapidement, coach. Oh, sorry, il ne pourra pas le faire. OK, on est donc arrivé à... Alors qu'il est exactement 15h, 16h, j'allais dire, 16h passées de 15 minutes, on est arrivé au Finistère de cette émission. Laissez, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'avais annoncé un petit cadeau pour ceux qui devaient rester jusqu'à la fin. 54 personnes sont restées jusqu'à la fin, jusqu'à 7h, 16h passées de 15 minutes. Alors, laissez vos emails dans le chat room et on va vous envoyer personnellement vos petits cadeaux au plus tard mardi soir. Des cadeaux qui vont vous permettre justement de mieux vous affûter, de mieux affûter vos talents, vos compétences et surtout vos performances dans le domaine de l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, ne partez pas sans laisser votre email. Si vous ne laissez pas votre email, je n'aurai pas la possibilité, moi, de vous envoyer votre petit cadeau. Donc, si vous voulez votre petit cadeau, faites-moi l'honneur. Faites-nous l'honneur de déposer votre mail dans le chat room. Pendant que vous le faites, il y a des équipes qui récupèrent ça très rapidement et restez assurés que au plus tard mardi soir, vous aurez votre petit cadeau. Et le temps de vous communiquer quelques petites annonces avant la fin de cette session. Demain lundi, ce sera le lundi de la vision. Si
Si tu es nouveau sur cette plateforme et que tu as envie de comprendre de quoi est faite Ali Global, les opportunités que tu peux avoir au sein de Ali Global. Ce soir, on a parlé de l'école des affaires. Vous avez écouté les témoignages. On a parlé de Dispensation Investment Group qui capacite les hommes d'affaires africains qui rend ce rêve américain possible. Bah, Ali Global ne se limite pas qu'à dispenser à une école des affaires. Il y a bien plus derrière que ça. Donc, si vous avez envie de découvrir cette armada qu'il y a derrière cette affaire, justement, allez, soyez des nôtres demain quand il sera exactement 21 heures du Cameroun, heure de l'Afrique centrale. Connectez-vous avec nous pour davantage scruter, comprendre, mieux vous comprenez cet environnement, l'environnement Ali Global, mieux vous vous sentirez épanoui, mieux vous vous sentirez épanoui, justement, dans ce conglomérat, et je vous invite à être des nôtres demain quand il sera exactement 21 heures de l'Afrique centrale. Le prochain rendez-vous sur une plateforme comme celle-ci à 7 heures, à 1 heure comme celle-ci, justement, ce sera dimanche à partir de 14 h. Ne rate pas ce rendez-vous. Si tu as été impressionné, si cette plus-value tu l'as eue cet après-midi, bah écoute, imagine un peu ce que dimanche pourra t'apporter. Sois des nôtres dimanche quand il sera exactement 14 heures. Si j'étais toi, je ne raterais sous aucun prétexte ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui va transformer ta vie. Et je le dis parce que je sais ce dont on parlera dimanche prochain. Je ne vais pas le dire tout à l'heure, mais tu vas découvrir ça dimanche prochain quand tu viendras. Tu comprendras que tu peux passer à un autre niveau dans tes affaires sans avoir besoin d'aller au village, voir des grands-pères et des grands-mères pour faire des trucs bizarres. Donc, tu peux réussir sans le faire, justement. Grâce à des enseignements, grâce à des partages comme on est en train de le faire ici. Sur ce, je vais te souhaiter de passer une très belle soirée. Porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes affaires aussi. Et au plaisir de te revoir demain 20 h et dimanche 14 h. Je serai encore là, si Dieu le veut, pour modérer la session avec le plaisir. Vous servir chaque dimanche, c'est un plaisir et c'est un honneur aussi de le faire. Et je serai encore là dimanche pour le faire. Mais avant, prenons rendez-vous pour demain 20 h. Et je serai encore là aussi. Justement, pour vous servir. Bonne soirée, prenez soin de vous. Merci, bye Bye bye. Thank you, coach. bye. Bye, coach. Thank you.